se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis. Rien à voir avec le scrap, rien à voir avec la fimo, rien à voir avec les loisirs créatifs. C'est juste pour vous montrer mes petits achats que j'ai fait pour ma préparation de mariage. C'est pour ça que là, je suis debout, ma caméra est sur pied. Ce sera plus pratique pour moi pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, je n'ai acheté que des choses donc en solde, chez Action, chez Tati, à Babou. Voilà, ce sont que des choses qui ne m'ont pas coûté cher. Quelques petites choses aussi que j'ai trouvées sur Internet, donc en solde. Comme vous savez, bon, moi je fais mon mariage, mais bon, à prix réduit. De toute façon, on n'est pas nombreux. Alors, on va être entre... En moyenne, on va être 25, peut-être 30 si tout le monde répond OK, dans ma petite pièce ici. Donc voilà, et encore, on fait donc un apéritif dînatoire. Donc tout le monde va être, la plupart des personnes seront debout, hein, je n'ai pas beaucoup de chaises. Donc je ne pouvais pas faire de grand repas, et bon, c'est vraiment pour marquer le jour du mariage, j'ai besoin de faire un grand repas. Le principal, ce sera la mairie surtout, hein, puis réunir un peu quelques membres de notre famille et quelques amis. Voilà, c'est tout. Donc, je vais vous montrer un peu, bon, les prix, ne me les demandez pas parce que je vais peut-être plus les savoir, parce que bon, même étiquette de caisse, je ne sais pas si je les ai encore sous la main. Bon, il y a certains prix qui sont sur les articles encore. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Alors ici, là, bon, je vais essayer de mettre Fifi là, voilà. Là, c'est un carton. C'est une compte que j'ai fait sur Internet. Alors la société, alors, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Badaboom. Voilà, on m'en avait parlé sur Facebook. C'est une copine qui m'en avait parlé sur Facebook. Alors bon, je suis contente et pas contente. Je suis moyennement contente, on va dire, mais bon, ça va. Donc, je vais mettre une nappe en papier. Et puis, bon, je me suis dit, la nappe papier, bon, je vais avoir mes petits-enfants qui vont être là. Et puis, bon, si on fait tomber un verre, la nappe papier, boum, c'est mort, hein, ça y est. Ça va être dégueulasse pour toute l'après-midi, donc c'est pas la peine. Donc j'ai trouvé une petite nappe en plastique assez fin, donc en plus du coup elle sera, si elle n'est pas abîmée, je pourrais la réutiliser, hein, après si je veux. Donc je l'ai pris en couleur assez neutre, par contre, puisqu'il va y avoir des décorations sur la table. Donc elle est en couleur, ils appellent ça blanc cassé, je crois, ivoire, voilà, en ivoire, voilà. Donc, je ne saurais plus vous dire les prix, je ne sais pas si j'ai la facture dedans. Bon, voilà, c'était pas très cher. Ici, j'ai la facture. Alors, il n'y a pas les prix dessus, donc voilà, comme ça, c'est. Donc, j'ai pris cette petite nappe-là. Ensuite, alors, j'avais pris ça. Donc, c'est un cœur en plume. Voilà, vous voyez, un petit cœur en plume, bleu. Parce que la couleur principale de mon mariage, ça va être bleu et rose, vous verrez par la suite. Mais la couleur principale, c'est le bleu. Et moi, j'avais pris ça pour mettre sur ma porte, à l'extérieur de mon appartement. Mais mon mari, enfin mon futur, mon chouchou, ne veut pas que je la mette à l'extérieur. Et après, bon, j'ai compris, je suis d'accord avec lui. Parce que comme nous, on vit en HLM. Il m'a dit, ton cœur, il va pas rester longtemps sur la porte, on va vite te le piquer. Du coup, je vais pas la mettre dehors. Et comme nous, notre porte de chambre donne dans la salle à manger, donc je le mettrai sur la porte de la chambre. Voilà, mais bon, je trouve assez beau, voilà, il n'est pas trop grand, il est assez mignon. Et après, il finira dans la chambre, de toute façon, j'en ferai une décoration dans la chambre. Voilà. Bon là, je ne l'ai pas ouvert, il n'y a pas... Ah ben attendez, si je peux l'ouvrir par là, sans déchirer. Donc je ne veux pas qu'il s'abîme jusqu'au mariage. Voilà, pour vous montrer un peu mieux, vous voyez. Donc il a un petit truc pour l'accrocher. Voilà, tout ça. Donc je le mettrai sur la porte.
du coup, de la chambre. Voilà, puis après, il ira dans ma chambre. Il ira certainement au-dessus de mon lit. Je verrai. Donc voilà ce que j'avais pris. Alors, je suis déçue par ça. Alors, si j'avais su que c'était aussi petit, j'aurais pu le faire moi-même. Voilà, voyez, ma main. Les papillons. Sur le site internet, moi, je les voyais vraiment très grands. Et non, ils sont tout petits. Voilà, tout petits, les papillons. Et moi, j'en voulais des très grands. Donc ça, par contre, je suis déçue. Bon, tant pis, je m'en servirai dans mon album. Ils iront dans mon album de mariage. Donc, du coup, ils n'iront pas sur ma table. Ça, par contre, je suis déçue. Bon, il y en a 10 dedans. Et... bon, tant pis. Et tu ne vas pas manger mes trucs. Alors, ça. Là, par contre, je ne vais pas les ouvrir, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, j'en ai 3 bleus. Voilà. Et 3 roses, bien sûr. Voilà. Oh, il y a le soleil qui arrive. Oh, miracle. Voilà. 3 roses comme ceci. Et 3 bleus comme cela. Donc ça, c'est des pompons. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer derrière. J'espère que vous verrez bien. Alors, j'essaie de m'approcher. J'espère que ce ne sera pas trop. Vous savez, on va le déplier et ça va faire des gros pompons. Comme des grosses fleurs. Donc ça, je vais les accrocher au plafond. Qui vont venir au-dessus de ma table. Donc il y en a 6 en tout. Donc des bleus et des roses. Voilà, donc ils font 30 cm de diamètre. Je crois que c'est ça, je ne me suis pas trompée. Non, c'est ça, 30 cm. Et cette boutique, j'ai pris un présentoir à cupcakes, comme ceci. Mais ça, je ne vais pas mettre des cupcakes. Hein. Voilà, donc présentoir à cupcakes. Qui va me servir à mettre les dragées, tous mes petits paquets de dragées, voilà, bah pour mes témoins et puis tous les invités. Donc là, je vais faire tous mes petits paquets de dragées. Ça, ce sera pour présenter donc tous mes petits sachets de dragées que je vais offrir à toutes les personnes qui seront là au mariage. Donc je trouvais ça pas mal. Donc puis c'était pas cher, il était aussi en, vous voyez, donc c'est à monter, c'est en carton. Donc même après, je pourrais le s'il n'est pas abîmé, ben, je pourrais m'en servir par la suite. Voilà. Donc ça, c'était pour chez Badaboum. Donc je vais remettre dans le carton. On va bouger le carton. Voilà. Ah, chez Tati. Bon, je n'ai pas pris grand-chose chez Tati. Bon, juste ben, des plateaux. Hein. Ça, c'est juste pour mettre pour faire mes plateaux de, pour le buffet. Du plateau doré. Alors sur ma nappe, je vais mettre un chemin de table comme ceci. Alors bleu, voilà. Et donc c'est un chemin de table en organza. Donc là j'en ai 5 mètres, hein, donc j'ai de quoi faire. Voilà. Il y avait en tissu, enfin pas en tissu, il y avait en papier, mais pareil, toujours pour la même chose, en papier je voulais pas. Donc là en organza. Donc c'est pareil, ça pourra me resservir, comme il fait 5 mètres, je vais pouvoir en garder pour utiliser pour mon album de mariage. Et j'ai pris également ceci. Voilà, c'est une guirlande de roses. Donc des roses roses, voilà. Donc qui vont aller sur le chemin de table bleu. Voilà, donc ça c'est les deux couleurs qui iront pour mon mariage. Donc sur le coup j'ai pas fait attention, enfin j'ai pas fait attention, j'y ai pas pensé, mais quand vous voyez ces deux couleurs là, ça vous fait penser à quoi? À Chouchou et Loulou, non? Donc mais j'ai pas fait, j'ai vraiment pas pensé à ça au début, mais maintenant ouais, voilà. Donc ça c'était pour chez Tati, c'est ce que j'ai pris chez eux. Alors, bon, ça venait de chez Action. Alors là, chez Action, ça c'est quoi? C'est emballé, donc j'avais repris un sucrier, voilà, parce que j'ai pas de sucrier, donc pour le café, comme ça ce sera beaucoup plus joli.
Il est pas mal. Et puis bon, ça c'est pareil, ça va me resservir hein, après. Donc du coup, c'était l'occasion d'en avoir un. En plus, il y a des cœurs dessus, il est joli. Voilà. Voilà. Bon, pareil, ne me demandez pas les prix, je ne les sais plus. Donc voilà, un petit sucrier. Bon, ça c'est juste de la vaisselle, hein, ça c'est pour le au moment du café. J'ai acheté la fameuse bonbonnière qui est à Action, qui aura des enfants. Donc je vais remplir de bonbons. Puis je la trouve assez belle. Donc pareil, elle me resservira après. Hein. Donc là, elle n'était pas chère, elle était en promotion, je crois qu'elle était à 1,49€, un truc comme ça. J'ai reçu bah, des petits pics hein, comme ça pour bah, tout ce qui va être à picorer. Là, une carafe d'eau. Voilà. Pareil, elle était en promotion en même temps que la bonbonnière et le sucrier. Bien remballé pour pas casser, ce serait bête. Ça, ça venait d'Action. Je crois que pour Action, c'était. Ah non, j'avais encore ça, Action. J'ai trouvé un plateau bah, pour desservir. Alors, c'est un plateau antidérapant. Donc, tout simple. Voilà. Et je voulais des grandes assiettes. J'en ai pas trouvé. Donc là, je vais chercher des nappes en papier. Donc, ils ont fait une promo il y a la semaine dernière, je crois. Mais bon, ils sont pas très. Faut pas jojo quand même en couleur, donc pour ça je vais chercher des grands nappes en papier. Vous voyez, les grandes assiettes comme ça, elles sont en plastique. Hein. C'est pour moi mettre mes gâteaux, donc avec un beau nappe en papier, ça ira. Donc j'en ai pris deux, parce que j'aurai deux grands gâteaux ronds et j'aurai un grand gâteau rectangulaire, mais en rectangulaire j'ai rien trouvé. Donc de toute façon, le gâteau normalement il y a toujours un plateau quand même en carton de service. Alors je bouge un petit peu pour prendre le dernier sac. Si Fifi il veut bien laisser passer. Alors je vous avais dit dans la vidéo la dernière fois qu'il y avait une petite touche d'humour quand même dans mon mariage. Et cette touche d'humour va se trouver dans mes toilettes. Alors voilà, c'est ça. C'est du papier toilette. Alors vous voyez, alors celui-là, là, on voit pas bien sur celui-là, j'en ai pris deux rouleaux, hein, parce que vu le prix là, là j'ai quand même, bon, c'est du papier toilette, vous voyez. Alors il y a des petits, il y a des endroits où ce sera marqué Just Married, et puis il y a des petits personnages comme ça, des petits mariés un peu partout, voilà. Bon, c'est juste pour dire de rigoler un peu. Je les ai trouvés sur une boutique en Allemagne. Et bon, c'est juste pour faire rigoler un petit peu. Voyez, voilà. Donc ça, j'en ai pris juste deux rouleaux. Hein, parce que... Alors, dans les choses un peu aussi rigolotes, j'ai trouvé, ça c'est sur AliExpress, trouvé des serviettes de table, enfin des serviettes en papier, pareil, avec des petits mariés. Voilà. Donc je trouvais vraiment rigolote, puis elles étaient mignonnes. Donc ça j'en ai pris 4 paquets. Bon, elles n'étaient pas chères du tout, hein, AliExpress, de toute façon. Vous voyez. Et j'ai pris d'autres serviettes. Je vais vous montrer. Donc il y aura 4 paquets comme ça. Et ensuite, il y en a des comme ça, toutes simples. Donc dans mes couleurs, le rose et le bleu. Qui seront en plus de cela. Donc celle-là, je les ai eues à. Je crois que je les ai eues à Babou, ceux-là. Alors, ici, ça, je ne sais plus où je les ai eues. Où j'ai eu ça? À Babou, peut-être? Oui, à Babou. Donc, c'est des porte-serviettes, justement. Donc, dans cela, je mettrai les roses et les bleus. Des petits porte-serviettes comme ça en forme de papillon, vous savez comment j'aime les papillons. Donc je les ai pris en noir exprès.
Donc j'en ai pris que deux. Et eux, par contre, c'était pas cher. Là, les prix sont dessus. C'était 1,50 €. Donc j'en ai pris que deux. Comme ça, j'en mets un à chaque bout de la table. Voilà. Donc avec le deuxième. Ensuite. Ah bah, dans les soldes. Alors, j'en ai pas trouvé des roses. Bon, j'en trouverai peut-être d'ici là. Trouver des bougies. Donc, je les ai eues à 1 € au lieu de 2. Donc, elles sont à l'eucalyptus. Bon, je sais pas si je vais les allumer, mais on verra bien. Donc, c'est des petites bougies comme ça. Donc, elles sont bleues dans leur verre. Donc, j'en ai pris 3. Je voulais des roses, mais il n'y en avait pas. Donc, j'en trouverai peut-être. Hein. Ça, on verra. Ensuite, alors, je pense que. Bon, un décapsuleur, ça peut servir. Je pense que j'ai du mal à trouver. Ça, c'est une pâte à glaçons. J'en ai pas. Donc, c'est mieux que de servir les glaçons à la main. Un seau à glaçons. Mais j'arrive pas à trouver de seau à glaçons. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que celui-là. Et celui-là, j'ai trouvé. Ben, je crois que j'ai trouvé à Babou aussi. J'ai trouvé qu'en bleu, j'en voulais un bleu et un rose, mais j'ai trouvé qu'en bleu. Et j'ai fait Auchan, Cora, là j'ai eu à Babou, pas moyen de trouver des seaux à glaçons nulle part. Je sais pas, c'est plus la mode, je sais pas. Donc j'ai trouvé que celui-là. Tant pis, je le remplirai plusieurs fois. Hein. On se débrouillera. Donc le seau à glaçons avec la pince. Petit glaçon, j'ai pas envie de m'embêter de prendre de la place dans mon congélo avec mes bacs à glaçons, donc des sachets hein, pour faire des glaçons. Ensuite, bah, j'ai trouvé mes couverts, toujours chez Babou, donc qui vont aller avec mes couleurs. Donc c'est les couverts en plastique hein, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec la vaisselle le jour-là. Donc des roses et des bleus. Alors ceux-là, par contre, chez Babou, c'est bien, les prix sont notés. Donc c'est des boîtes de 18 pièces. Donc il y a 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères pour 2 €. Donc ça va. Bon, puis on va certainement pas tout utiliser. Donc ce qui restera me servira. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai pris quand même des assiettes. Ça, je pense que je vais peut-être en reprendre. Je sais pas, ça me fait 40. Oh non, je pense que j'en aurai assez. Donc les assiettes bleues et roses. Donc j'ai pris que des grandes comme ça me suffit. Il y en a 20 par paquet, donc ouais, ça va me suffire. Ça me fait ouais, largement, ça va me faire 80 assiettes à 30 personnes. Ouais, j'ai vu large là. Donc ça, par contre, je les ai eu à Auchan. Et c'était les dernières parce qu'ils arrêtent ceux-là. Donc pourquoi je sais pas, mais bon. Donc rose et bleu. Donc à Auchan, j'ai pris des gobelets qui. Pour l'instant, j'ai que des gobelets. Pour le champagne et l'apéritif, bon là j'ai des vrais verres. Donc je mettrai mes verres pour l'apéritif et le champagne. Et entre deux, bah, il y aura des gobelets. Donc là, par contre, il y en a quoi, ça fait 50. Bien, puis sinon j'ai d'autres verres dans mes armoires, ça c'est rien. Donc vert et bleu, je sais pas si ça vous fait bizarre que je mets de la vaisselle jetable pour un mariage, mais bon. Alors ça, par contre, ça m'embête. Je les alors, c'est pour ranger les bah, tous les couverts pour les mettre dedans. J'ai trouvé qu'en rouge comme ça, alors je vais encore chercher, essayer d'en trouver un noir ou deux. Et puis celui-là, bah, tant pis, il me servira pour ma cuisine. Parce que ça m'embête qu'il soit rouge. Parce que du coup, il n'est pas dans mes couleurs. Alors, je verrai bien. Ça, je l'avais payé 3 €. C'était chez Babou. Donc ça m'embête. C'est pour mettre les couverts dedans. Mais il est rouge. Et du coup, ça m'embête. Et sinon, bah, j'ai pris encore des pics. Ça, je les avais eu à Cora avant de trouver ceux d'Action. Donc à Cora, elle coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà. Ça, bah, c'est pour mettre sur une bouteille d'apéritif anisée, hein, qui, voilà, pour pas mettre la dose trop forte.
Et j'ai repris des cendriers parce que j'en ai que deux et je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui fument. Donc j'ai pris plusieurs. Il y a quand même pas mal de personnes qui fument qui vont venir. Donc comme ça, j'aurai plusieurs cendriers. J'en ai repris trois. Voilà. Là, je crois que c'est tout pour l'instant. Normalement, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Il faut que je refais un peu ma top list, voir si j'ai rien oublié. Bon, que je lis des bougies roses, revoir pour un pot pour ranger les couverts, après pour mettre les petits pics en bois. Bon, je vais voir aussi avec ce que j'ai déjà chez moi, ce qui pourrait aller. Donc voilà tout ce qui était pour la déco. Moi j'ai encore aussi des organza dans ma pièce par là. Donc ils vont pouvoir venir aussi décorer les tours de table, tout ça. Oui, bon, j'ai fait un peu dans le minimalisme, mais de toute façon je ne peux pas faire autrement. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je vous dis, bon, peut-être que certaines d'entre vous n'aimeront pas que j'ai de la vaisselle jetable pour un mariage. Mais moi, je vous dis, de toute façon, j'avais pas assez de vaisselle, la vraie vaisselle chez moi pour tout le monde et j'avais pas les moyens de racheter de la vraie vaisselle pour un seul jour de mariage. Donc, je trouve ça un peu bête. Voilà. Et par contre, je suis contente d'avoir trouvé mon papier de toilette. Ça m'a fait bien rigoler quand j'ai vu ça. Voilà. Normalement, chez Badaboum, ils en avaient et ils étaient en rupture. Donc c'est pour ça que j'ai dû l'acheter sur un autre site. Ah, c'est chez Idée Cadeau. Voilà, c'est là que je l'ai trouvé. D'ailleurs, ils ont plein de trucs rigolos sur ce site. Et c'est un site allemand. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, je vous avais promis une petite vidéo donc, sur mes petits achats pour le mariage. Vous n'invitez pas le moment venu, ben, je vous ferai des photos, une vidéo de ma table, de tout ce que j'aurais fait. Puis ça va être compliqué avec mes bébêtes, hein, le temps qu'on va être parti à la mairie, je vais devoir les mettre dans une autre pièce pour pas qu'ils aillent pas marcher sur ma table et tout ça. Hein. Surtout ma fifille qui aime bien grimper partout. Voilà. Et puis bah après, je sais pas, je vais voir. Si vous avez encore des petites idées, donnez-les, on ne sait jamais. Hein, si vous avez des petites idées que je pourrais rajouter, qui ne me coûteraient pas cher ou que je pourrais encore faire moi-même, je vous dis, en sachant que ma pièce est vraiment toute petite, hein, moi j'ai quoi, 14 mètres carrés, mais j'ai tous mes meubles, hein, moi ici. Donc c'est assez compliqué de faire enfin, c'est pas un repas, c'est un apéritif de mariage dans une toute petite pièce comme ça. Mais bon, on va dire que c'est vraiment pour marquer le coup. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein? Donc si ça vous a plu, bah, un petit pouce bleu, laissez-moi les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez des idées à me donner en plus, bah, dites-le moi. Si vous avez des bons plans aussi à me donner, de choses que je pourrais encore faire ou pas, n'hésitez pas. Voilà. Fifi et moi, on vous fait des gros bisous. Hein, les poilus aussi, là, ils dorment, ils viennent de manger, donc ils sont en train de faire leur petite sieste après repas. Maintenant, je vais ranger tout ça. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!